Amadou Camara, Mokhtar Sanogo, Youssouf Diomandé, Valence Koné, Ado le bâtisseur, salut à toi mon jeune, depuis ta position. Voilà. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un direct pour m'adresser à une personne. Une personne qui elle-même pourra témoigner que quelquefois, quand elle a été attaquée sur les réseaux sociaux, je suis sorti pour la défendre. Mais je crois qu'à un certain moment, quand on commence par exagérer, ce n'est pas bon. J'ai un message ici pour une personne que je considère comme une petite sœur, qui est Yvie Dero. Une personne que j'ai toujours défendue. Mais comme je l'ai dit, j'aime toujours être du côté de la vérité. Je peux peut-être me tromper souvent, c'est humain. Mais je ne fais pas sciemment pour me mettre dans des combats qui n'ont pas de sens. Mais je crois qu'à un certain moment, Yvie Dero doit comprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu es l'une des personnes sur les réseaux sociaux. Dès que tu as un problème, ça devient une occasion pour les gens pour s'attaquer au président et à la première dame. Donc, quand tu sais que tu es dans ce genre de position, il faut pouvoir se contrôler dans la vie. Parce que je vois que les gens commencent à t'attaquer par rapport à un sujet. Je vais mener mes enquêtes. Je me rends compte que tu as eu le courage d'aller t'asseoir et de parler de la vie de quelqu'un. Salut à toi, mon Badé, depuis ta position. Bakari, Black Samurai, salut à toi. Koné Medina, salut à toi depuis ta position. Aujourd'hui, à cause de toi, Yvie Dero, dès qu'il y a un problème, on s'attaque au président, on s'attaque à la première dame. Et c'est des choses, tu t'assois et puis tu réfléchis. Quand tu considères des gens comme toi-même, tu le dis à chaque fois, le président Ouattara, c'est ton papa. La première dame, c'est ta maman. Donc, si tu continues de dire ça, et que à chaque fois, quand tu fais des dérapages, tu es une femme, toi, moi, je t'ai défendu ici parce que les gens sont sortis, on a commencé à t'attaquer. Mais tu as le courage. C'est-à-dire que quand je m'assois, et puis toi, Yvie Dero, tu invites un enfant comme Seri Kananga. Un enfant comme Seri Kananga. Tu l'invites dans un direct. Et tu lui donnes l'occasion de mettre sa bouche dans l'affaire de foyer de quelqu'un. Est-ce que ce que toi-même tu fais avec Seri Kananga, si quelqu'un fait la même chose en invitant Seri Kananga pour aller parler de ta vie privée d'une certaine manière, tu trouves ça normal? Tu as le courage d'inviter une personne qui est mariée aujourd'hui, qui est mariée aujourd'hui, aller sur ta chaîne de télévision. Et cette personne a le courage de dire que lui, il t'a dragué. En tant que femme, tu aurais pu stopper ce discours-là. C'est-à-dire, cette partie-là, tu aurais pu demander à cette personne que comme tu es une femme, pour le respect d'une autre femme, tu ne veux pas qu'il rentre dans ce genre de dossier. Mais tu as laissé les gens s'amuser. Mais Yvie Dero, je vais te donner un conseil. La vie qui est là, il faut faire très attention. À force de pouvoir d'exagérer, à force d'exagérer, tu vas finir par mettre presque tous les gens dans ton dos. Moi, je t'ai toujours défendu. À chaque fois qu'il y a un problème qui toi te concerne, Yvie Dero, je t'ai défendu sans même chercher à comprendre. Mais je pense qu'à cette allure où tu es en train de partir, il faut faire très attention. Il y a des gens qui étaient sur la télévision hier, mais qui aujourd'hui ne sont pas sur la télévision. Méfie-toi. La chance que Dieu t'a donnée là, il faut profiter de ça. Mais si Dieu n'a pas donné cette chance aux autres là, faut pas te moquer d'eux. Dieu ne t'a pas donné parce que toi tu es intelligente que ceux à qui il n'a pas donné.
Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ce que tu fais. Don Giovanni te défendait sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hier. Mais aujourd'hui, là, c'est le même Don Giovanni qui est en train de retenir contre toi. Ce que tu fais, il faut arrêter. Parce que faut pas, on va se mentir. Nous, les militants du RHDP, là, on va rester là en train de te soutenir. Mais si à chaque fois, c'est à cause de toi, on doit venir insulter notre maman, la première dame, on doit venir insulter le président Ouattara contre, à cause de toi, matin, midi et soir, arrivant à un certain moment, on va te donner dos. Hein. Arrivant à un certain moment, on va te donner dos. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter de t'en prendre toujours aux gens. C'est quel genre de mission t'organise? Tu t'en vas inviter le mari de quelqu'un, une personne qui est mariée, qui a sa femme à la maison. Mais il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, peut-être que toi-même tu vois là, peut-être que tu ne connais pas. Hein. Il y a des gens qui participent à des conseils des ministres avec le président Ouattara. Il y a des hauts cadres du RHDP qui ont problème aujourd'hui avec la justice. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais, Evidero. Il faut arrêter ce que tu fais. Tu es une femme. Quand tu invites quelqu'un d'autre pour venir humilier une femme comme toi, il faut arrêter ce que tu fais. À chaque fois, tu vas faire les bêtises et puis toujours. Tu es la seule personne sur les réseaux sociaux. Ça dit que dès que tu as problème, en même temps, on commence à insulter le président. On commence à insulter, comment on appelle? Après, c'est pour venir dire que non, ça là, ce n'est pas une histoire de dire que tu soutiens le RHDP ou quoi. Hein. Ça là, tu es dans la provocation. Ça là, tu es dans la provocation. Il faut arrêter. Tu ne peux pas inviter un enfant comme Seri Karamba pour aller mettre sa bouche dans le feu de foyer des gens. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Mais la personne même que tu invites là, c'est un exemple. Quand Seri Karamba vient t'asseoir dans toi ton émission et puis dit que Facebook là, c'est cour commune, il y a des gens qui sont là, on ne connaît pas leur mari. Est-ce que toi-même, il vit des rôles là? Seri Karamba, il connaît ton mari? Est-ce que sur les réseaux sociaux, on connaît ton mari? Les personnes même qui sont assises derrière toi là, on connaît leur mari? C'est Seri Karamba tu vas inviter pour aller mettre sa bouche dans fait de foyer des gens. Mais attends, tu as quel problème? Non, attends, tu as quel problème? Tu as quel problème? Mais en tout cas, il faut faire attention, hein? Parce que maintenant, là, je vais pas te mentir, hein? Si à cause de toi, les gens commencent à insulter la première dame et puis le président, ça seulement, je vais pas m'amuser avec toi. On va t'allumer, hein? On va t'allumer, hein? Ça, on te dit la vérité en même temps, hein? Il faut arrêter. Hein. Tu as eu ton problème ici avec chose, comment on appelle chose, la fille là. Celle que tu as fait arrêter au pays là. Les gens t'ont soutenu parce qu'on a trouvé que tu es une femme et qu'elle t'a humilié. Mais ce que toi tu as fait à chose là, comment on appelle à la fille là, comment elle s'appelle même là la chanteuse là. Attends, je vais demander son nom. Ce que tu as fait à Vital là, on appelle ça quoi? Vital là, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ce que toi-même tu as fait là, si quelqu'un vient de quelqu'un invite ton mari et puis venir s'asseoir pour dire que ton mari l'a dragué là, toi-même ça va te faire plaisir? Ce que toi-même tu as fait à Vital là, elle t'a fait quoi? Non, c'est le nom de Vital que je cherchais. L'œuvre Gugu, là, elle est sortie contre toi ici. Elle a dit tout. Tout le monde t'a soutenu. Mais tu sais pourquoi on t'a soutenu? On t'a soutenu parce que tu es une femme. On t'a soutenu parce que tu es une mère. On t'a soutenu parce qu'on a trouvé que ce qu'elle était en train de faire, ce n'était pas normal. On t'a soutenu parce qu'on a dit que même si tu l'as fait, c'est ton passé. Et que nous, on n'a pas besoin de ça. Ce que toi,
Tu n'as pas accepté hier. Ce pourquoi tu as fait arrêter l'œuvre du groupe en Côte d'Ivoire, c'est ce que toi aujourd'hui tu viens faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu fais là. Hein. Parce que si quelqu'un sort contre toi maintenant pour t'attaquer, et puis tu dis que tu vas convoquer là, nous, on va te dire qu'il faut nous convoquer, nous tous. Ce que toi tu as fait à Vital là, tu penses que c'est humain? Ce que tu as fait à Vital là, tu penses que c'est humain? Tu penses que ce que tu as fait à Vital en tant que femme, tu dois faire ça? Il faut arrêter. Hein. Mais moi, je te préviens, parce que dans cette histoire-là, il faut t'arranger. Il ne faut pas les gens vont insulter le président. Hein. Parce que si on insulte le président, Yves Hidero, on ne va pas s'amuser avec toi cette fois-ci. Hein. Trop, c'est trop. Tu vas organiser tes émissions, il faut organiser tes émissions. Tous les temps, il y a problème ou il n'y a pas problème, c'est toi, Yves Hidero, qui va venir chercher problème pour donner aux gens. Tous les temps, il y a problème ou il n'y a pas problème, c'est toi qui vas sortir pour venir donner problème aux gens. Il y a quel problème? Après, c'est pour venir prendre comme couverture. Mon frère Chang Le Dozo, elle invite le mari de Vital, une chanteuse que toi-même tu connais. Elle invite le mari sur le plateau et puis il commence à poser des questions, c'est-à-dire genre comme si c'était exprès. Mais si, comme on appelle, une personne qui est mariée, vous allez lui poser question sur une chaîne pour dire dans le showbiz là, tu as dragué qui? Et puis la personne dit que c'est Yves Hidero que j'ai dragué. Ça veut dire que toi, Yves Hidero, en toute sincérité, tu avais tout organisé parce que tu sais que à cette question-là, le monsieur allait dire ton nom. Mais est-ce que tu trouves même normal qu'une personne qui est mariée, on aille lui poser question sur toi, ton plateau, pour demander à cette personne s'il a dragué d'autres femmes? Tu trouves ça normal? Et bizarrement, cette autre femme-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Mais ça sert à quoi? C'est son fiancé. Il est, même s'ils ne sont pas mariés, mais aujourd'hui, là, ils sont dans quelque chose. Mais c'est ce que toi-même tu as fait là. Est-ce que c'est normal? Si on invite aujourd'hui l'homme qui t'a marié là, si on l'invite aujourd'hui sur une autre chaîne, et puis on va lui poser la question de savoir. Dans le showbiz, là, tu as fait chose. Et puis, c'est qui tu vas inviter pour aller parler dans ce genre de choses? C'est Rick Ramba. Non, dis-moi la vérité. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais attends, c'est Rick Ramba peut être un exemple pour parler dans le foyer de quelqu'un, un enfant comme ça. Un enfant comme ça, c'est normal, tu peux l'inviter, mais parle-lui d'autre chose. Mais tu peux pas inviter c'est Rick Ramba pour aller expliquer. De mettre sa bouche dans le foyer déjà. Cette série Karangba, tu vas inviter pour aller parler d'en fait de Sérédier et sa femme. Toi-même, en tant que femme, cette situation-là, tu devais éviter même de mettre ta bouche dedans. Parce que tu sais que quelque part, dans ce genre de choses, si ce n'est pas José, on va insulter, c'est Aline, on va insulter. C'est des femmes comme toi. Ce genre de choses-là, ce genre de questions, ce genre de comportement, laisse que les hommes aient ce genre de comportement à la télévision, mais pas toi. Pas toi. Prends le temps d'aller regarder les autres chaînes qui font le même truc que ce que tu es en train de faire en Europe ici, comment ils s'organisent. Mais et puis toi-même, tu dois te mettre quelque part aujourd'hui, te poser la question, parce que c'est quoi qui a crié partout? La première dame, c'est ta maman. Le président Ouattara, ces choses. Mais c'est quelle histoire? Est-ce que c'est normal? Faut arrêter ce genre de choses. Faut arrêter ce genre de choses. C'est des trucs qu'il faut éviter. Yves Hidero cherche aujourd'hui à sortir, à venir dans d'autres contextes. Même concernant le problème de Sérédier, tu peux pas inviter, tu peux pas inviter Séri Karamba pour aller parler dans ce genre de trucs. Tu sais quand même qu'aujourd'hui là, c'est quelque chose qui blesse. Que ce soit Aline ou bien, comment on appelle José, c'est des personnes aujourd'hui qui sont insultées sur les réseaux sociaux.
Toi, en tant que femme, tu ne devais pas comment on appelle, te focaliser sur ce genre de choses. Cherche à faire autre chose. Et qu'à un certain moment, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te concerne, automatiquement, il y a la première dame qui est visée. Ou bien le président Ouattara qui est visé. Et quand ça va chauffer, c'est pour venir dire non, c'est parce que tu soutiens. Non, ça là, ce n'est pas affaire de politique. Ce n'est pas affaire de politique. Et puis tu es là, tu fais ces trucs-là. Tu n'es pas dans l'histoire de politique. Mais c'est des choses qu'il faut arrêter. Il faut changer de gamme. Faut changer de gamme. Trop, c'est trop. Arrête ça. Lier les gens t'ont soutenu parce que toi, tu es une femme. Lier les gens t'ont soutenu parce qu'on s'est dit que tu es une femme, que tu ne méritais pas cela. Donc toi aussi, ne fais pas ça aux autres. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont assis là, matin, midi, soir. Ils n'ont rien dans la tête. Je le dis, c'est une ancienne vidéo, ce n'est pas une ancienne vidéo, mais le fait même que Seri Karangba soit invité pour vouloir parler, venir insulter les gens, non mais dis-moi la vérité. Mais la personne même dont tu parles, la personne que tu invites là, il connaît quoi dans fait de couple? Même quand Seri Karangba vient s'asseoir et puis il dit que Facebook là, c'est une fois, c'est cour commune et qu'il y a des femmes qui sont là, on ne connaît pas leur mari, mais il est en train de parler de toi-même. Est-ce que qui connaît toi, ton mari? Qui connaît toi-même ton mari? Personne ne connaît ton mari. Donc, c'est des choses qu'il faut arrêter. Il faut choisir d'autres thèmes pour animer les gens. Mais il faut arrêter forcément de vouloir te focaliser sur certaines choses qui peuvent porter à l'humiliation des femmes comme toi. Alors que hier, les gens t'ont soutenu pour éviter que toi, tu sois humilié. Aujourd'hui, même il y a des blogueurs maintenant qui sortent même pour dire que hier, quand ils te soutenaient, parce que moi j'étais soutenu hier. Mais il faudrait qu'on soit clair. Parce que même Lolo Beauté dit que oui, tu l'as appelé, les trucs comme ça. Moi j'étais soutenu, mais tu m'as jamais appelé ici. Hein. Moi, je l'ai fait parce que j'étais pris comme une petite sœur. Je me suis dit que tu es une femme, tu ne mérites pas ce genre d'attaque. Mais si ça vient sortir aujourd'hui que toi-même tu as appelé les blogueurs, parce que il y a une chose à dire. Même Don Giovanni a dit dans son direct qu'il y a des trucs privés que tu lui as dit. Ça veut dire que vous avez parlé. Ça veut dire que vous avez parlé. En tout cas, ce que tu fais là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter à chaque fois que c'est ton nom qui est dans les choses. Parce qu'en fin de compte, là, ça devient de la provocation. Et ce n'est pas normal. En fin de compte, ça devient de la provocation. Et ce n'est pas bien. Il faut arrêter. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter, ce n'est pas bien. Parce que tu dois te mettre aujourd'hui quelque chose dans la tête. À chaque fois que toi, il profite de ça pour insulter la première dame ou bien insulter le président. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se dit non, l'État te protège. Alors que dans la réalité, ce n'est pas l'État qui te protège. Hier, toi, tu as fait arrêter Love Gugu parce qu'elle a dit quelque chose. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. Mais tout ça là-même, on en a trouvé que ce n'est pas normal. On a donné tort à Yves Deroux, comment on appelle, à Love Gugu. On a dit que ça, là, ça ne nous intéresse pas. Si hier, toi, ton passé, là, ne nous intéressait pas, il faut te mettre aussi dans la même position pour dire que le passé des gens, là, il faut le laisser. C'est pas bien. Tous les temps. Ça dit que dès que le coin est calme, il faut revenir avec des sujets pour venir toujours faire chose. Et à chaque fois, les gens pensent que tout ce que tu fais, tu es protégé. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et souvent, tu aimes faire ce genre de déclaration. On va se montrer qui est qui dans le pays là. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter ça. Va regarder le 11 avril 2011. Laurent Gbagbo était l'ancien président. Va regarder son arrestation. Simone Gbagbo va regarder son arrestation le 11 avril 2011. C'est là que tu vas te rendre compte que tu dois te mettre dans la tête que tu n'as absolument rien. Voilà. Donc il faut arrêter.
Des histoires où tu crées toujours problème et puis on attaque, comment on appelle, on va venir insulter la première dame ou bien le président là. En tout cas, nous, on n'est pas dedans maintenant. Hein. On n'est pas dedans. Hein. On t'a toujours défendu en te considérant comme une personne qui était blessée, une personne qui est attaquée. Mais il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Les gens t'aiment, les gens t'apprécient, mais je te dis, il faut te méfier. Tu vas faire, les gens vont t'abandonner. Tu vas faire, les gens vont t'abandonner. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Toi-même, à ton avis, là, quand tu t'assois là, là, Seri Karamba, c'est un activiste, non? Il n'a qu'à prendre sa caméra s'il veut parler de la vie des gens. Toi, tu l'invites dans une, à la télévision pour aller parler. Demain, Seri Karamba va venir dire ici, mais le jour où Seri Karamba va venir dire ici que tu l'as donné jeton pour te défendre sur les réseaux sociaux, les gens vont croire. Voilà. Les gens vont dire ça. Tu l'invites en tant que quoi? Tu n'invites pas d'autre chose. Tu l'invites pour aller parler de la vie privée des gens. Pourquoi? Ça t'intéresse? La vie privée des gens, là, ça t'intéresse? Ce qui se passe entre Sérédier et puis Aline et puis José, toi-même tu ne trouves pas que c'est humiliant? Toi-même tu ne trouves pas que c'est humiliant? C'est des trucs qu'il faut arrêter. Trop, c'est trop. Bon, aujourd'hui là, tu es en train de donner encore le temps à Love Guigui de sortir maintenant pour profiter. Elle-même, elle est prête. Dès qu'il y a quelque chose qui te concerne net là, elle sort en même temps. Elle commence à te bombarder. Aujourd'hui, elle a commencé à sortir encore. Soulé Major, salut à toi. Heidi Koné, salut à toi. Sarah Silla, salut à toi depuis ta position. Fof Sefa, Fofana Abidjan, salut à toi depuis ta position. Dès que ça commence net là, après maintenant c'est pour commencer à dire oui, les gens sont jaloux de toi, les gens sont comme ça. Non, les gens ne sont pas jaloux de toi ici. Hein. C'est parce que toi-même tu es en train d'exagérer. Ça là, ce n'est pas question de jalousie des gens. Hein. Il faut arrêter ce que tu fais, Ivy. Il faut arrêter ce que tu fais. Ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Il faut t'enlever dans ça. Voilà. Tous les temps, tous les jours. Dès que ça commence net après, c'est pour commencer à dire oui, ils sont jaloux de moi, ils sont comme ça de moi, ils sont comme ça. Ça là, c'est pas affaire de dire ils sont jaloux de toi. Hein. Ils sont pas jaloux de toi. Ici là, c'est du concret, c'est la vérité. Il faut arrêter ce que tu fais. Voilà. En tout cas, c'est mon message que je voulais te donner aujourd'hui. Donc, je vais pas trop durer dans ce direct là, parce que je suis en train de préparer un dossier pour ce soir. Donc, je vais pas trop durer dans ce direct. Mais en tout cas, je t'ai dit. Voilà. Tu es là, vraiment, c'est chose, quoi. Ça dit que tu es là, tout le monde te soutient. Ouais, on est là, on dit, ouais, dès qu'il y a quelque chose dans ton sort, on dit, ouais, c'est parce que tu soutiens le truc. Et là. Mais toi-même, tu commences à provoquer les gens maintenant. Mais quand tu vas commencer à provoquer les gens maintenant, là, en tout cas, nous, on n'est pas bêtes. Hein. Si tu continues à provoquer les gens expressément pour dire que nous, on va te défendre, on va te laisser hein, dans ton affaire. Hein. Même si tu dis que tu vas aller porter convocation contre quelqu'un là, c'est nous, on va sortir sur les réseaux sociaux pour parler. Hein. Voilà. Faut faire attention. Parce que notre maman, là, la première dame, là, si ça continue, là, quand nous, on va commencer à faire vidéo, là, ça va rentrer dans son oreille. Tu ne vas plus faire photo avec elle. Hein. Ça, on te dit ça en même temps. Tu ne vas plus faire photo avec elle. Hein. Parce que si tu considères comme une personne comme ta maman et qui est dans une certaine position, toi-même, tu dois t'arranger de sorte que ton comportement là soit parfait pour ne pas que ces personnes-là soient insultées à cause de toi. Pour ne pas que ces personnes-là soient injuriées à cause de toi. Mais apparemment, tu n'es pas dans cette posture. Donc, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter ce que tu fais. Voilà. Tu ne vas pas venir dans tes trucs que toi-même tu allais provoquer. Tu vas provoquer les gens et puis demain, c'est pour venir prendre le nom du président et de sa femme pour venir déposer dans un problème auquel ils n'ont rien à voir. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein. Oh là là, salut à toi, mon très cher frère, depuis ta position. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Moi, je suis venu te dire ce matin-là, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Voilà. Donc, si tu veux faire tes trucs là maintenant, là,
Le nom de la première dame et puis le nom du président, là, il faut le laisser. Parce que quand tu t'en vas faire tes émissions, là, ce n'est pas avec eux que tu parles. Voilà. Quand tu choisis tes thèmes pour faire tes émissions, là. Voilà. 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 Donc, en tout cas, il faut t'apprêter. Si tu dois rester là dans les histoires des provocations, tout, là, nous-mêmes, là, on va se mettre dans la position maintenant de dire à la première dame le comportement que tu es en train de faire, qui n'est pas normal. Comme ça, là, elle va se rendre compte que ma fille, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Voilà. Toi-même, là, tu devais être un exemple pour que les gens respectent. Ça dit qu'on devait dire, voilà une vidéo même qu'elle a là. Malgré tout, elle fait ça. Mais regardez son comportement, elle est parfaite. Mais c'est toi qui es là toujours en train de provoquer les gens. Hein? Wa alaykoum salam à toi, ma très chère petite soeur, ma Saranguée Berthé. Bonjour à toi, mon très cher grand frère, depuis ta position, Adam Sepite Traoré. Voilà. Vraiment, merci, merci mon grand frère. Elle en fait un peu trop maintenant. Elle exagère. Elle devient de plus en plus arrogante. On t'a vu là. On sait ce qui s'est passé. Tu n'es pas là-bas aujourd'hui parce que tu allais, tu as fait l'université, tu as fait, comment on appelle, des cours pour devenir journaliste. Hein. Tu es une animatrice, ça s'arrête là. Hein. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, là, on a connu des animateurs. Hein. On a vu les cadets d'Ao. Voilà. Voilà, que son âme de... On a vu les tontons Booba, on a vu tout ça là ici, on a vu plein d'animateurs, mais la version que vous êtes en train de produire maintenant là, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc cherche à être un exemple de sorte que vraiment les gens disent que ah, vraiment, il y a ça là, il y a ça, mais malgré tout ça, elle est dans son coin. Mais tout le temps, c'est toi qui es dans provocation. Tout le temps, c'est toi qui es dans provocation. Tout le temps, c'est toi qui es dans provocation. Ils vont t'attaquer maintenant, c'est pour venir t'asseoir. Non, parce que je suis RHDP. Moi, cette fois-ci-là, si tu sors pour venir dire que c'est parce que tu es RHDP, là, moi, j'ai sorti contre toi. Je te dis en même temps. Faut arrêter. Si tu sors maintenant pour venir t'asseoir devant les gens pour dire non, c'est parce que tu es RHDP, parce que tu es comme ça, les gens ne veulent pas te voir. Les gens ne sont pas jaloux de toi. Hein. Les gens ne sont pas jaloux de toi. Il y a des gens dans ce pays-là qui ont reçu que toi. Il y a des gens dans ce pays-là qui ont ce que... Ça dit, toi, tu n'as même pas les un quart de ce qu'ils ont. Mais personne ne les attaque. Voilà. Mais c'est toi qui es toujours dans la provocation. Voilà. Voilà. La fille, là, Vital, là, elle n'a jamais parlé de toi ici. Mais comment tu peux, comment on appelle, laissons ça, mais moi, ça dit que, on dit que ça, c'est une vieille vidéo, j'ai compris. Mais le problème même là, tu invites Seri Karamba pour aller parler de la vie de Sérédier. Mais tu sais ce que Sérédier est dans ce pays-là? Tu sais ce que José représente pour la Côte d'Ivoire? Tu sais ce que José représente pour la Côte d'Ivoire? Le ray humain. Mais tu sais ce que Sérédier a représenté pour la Côte d'Ivoire? Tu sais ce que José a représenté pour la Côte d'Ivoire? Mais tu sais ce que Aline a représenté pour la Côte d'Ivoire? Même elle est restée dans l'anonymat. Mais le fait que soit l'ancienne femme de l'ancien capitaine de l'équipe nationale, c'est tout à fait normal qu'on lui doive du respect. Donc il y a des choses là, il faut éviter. Voilà. De la même manière, toi tu veux dire que tu as réussi là, c'est de la même manière le petit là, c'est dit aussi, c'est fait ce. C'est de la même manière José s'est fait ce. Parce qu'elle vit de ce qu'elle a appris. C'est dit aussi là, il vit de ce qu'il a appris. Donc toi ton problème il est où? Faut laisser les gens en paix. À un certain moment, trop c'est trop. À un certain moment, on est fatigué. Toujours Yves Videro, toujours Yves Videro, toujours Yves Videro. On t'a défendu si tu as donné l'argent à quelqu'un pour te défendre. Après, c'est pour venir t'asseoir devant les gens pour dire on est jaloux de toi. On sera jaloux de toi parce que tu as quoi? Tu nourris qui? Tu ne nourris personne. On t'a donné une chance. Tu es devenue animatrice. Concentre-toi sur ça. Et laisse les gens vivre leur vie. Voilà aujourd'hui. L'œuf Guigui a commencé à sortir sur toi encore. Tu vas dire quoi? Mais tu penses que tu vas rester là toujours à chaque fois quand il y a un problème, c'est toi qui vas rester là en train de dire oui, je vais te convoquer, je vais faire comme ça. La marque, là, c'est fait pour les gens. Hein. Mais arrivé à un certain moment, il faut faire attention. Parce que le... Fais attention. Hein. Parce que la marque, là, ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas leur nom qui est écrit. Hein. Y a... La marque, là, même a été... Quand on a créé la marque, là, il y a des gens qui sont dedans aujourd'hui, là, ils n'étaient même pas encore nés. Leur papa même n'était pas encore né. Donc, tant que tu vis, là, il faut te dire toujours, fais attention. Parce que ce n'est pas écrit quelque part. Dieu ne t'a pas envoyé un message pour dire que toi, tu ne vas pas te retrouver à la Maca un jour. Je ne te le souhaite pas. Mais il faut arrêter ce que tu fais.
Il faut arrêter ce que tu fais. Trop, c'est trop. Tu aimes trop rabaisser les gens. Tu aimes trop rabaisser les gens. Le mari de Vidal t'a dragué, on a compris. Mais tu t'en vas t'asseoir, tu t'en vas parler de l'histoire de José, on a compris. Mais arrivé à un certain moment, tu arrêtes. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Ce que toi tu es en train de faire là, si les gens commencent à rentrer dans ta vie privée, venir t'exposer sur les réseaux sociaux là, est-ce que ça va plaire à qui? Est-ce que toi-même ça va te plaire? Toi-même tu t'assises ici et tu dis il y a des trucs que je n'ai pas supportés. Ibidero, fais attention. Parce que je vais te dire, tous ceux qui t'attaquent sur les réseaux sociaux là, il faut te dire que tu ne peux pas mettre tout le monde en prison. Hein. Ce qui est derrière toi là, tu connais. Mais est-ce que tu sais ce qui est derrière les autres? Donc méfie-toi. Fais très attention. Fais très attention. Voilà. En tout cas, c'était mon message que je voulais te lancer. C'était mon message que je voulais te lancer. Il faut arrêter. Il y a des gens aujourd'hui là qui n'aiment pas, qui ne t'aiment pas dans le pays là parce que tu exagères. Mais moi-même là, j'ai toujours laissé ce côté-là. J'ai dit non, laissez la fille là, la dame là, elle a fait quoi? Laissez la petite, elle a fait quoi? Elle a fait chose. Mais aujourd'hui là, tu es en train de leur donner raison. Hein? Tu es en train de leur donner raison. Hein? Je suis en train de leur donner raison. Tes polémiques, trop de polémiques inutiles là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Les Yves Zobo Junior, c'était des grands animateurs à la télévision, mais aujourd'hui, ils ne sont plus à la télévision. Mais la télévision est toujours là. Les John Jay, là, c'était des grands animateurs en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus animateurs, mais la télévision est là. La radio est là. Donc, ce que tu fais là, il faut arrêter. Fais tes émissions. Évite de rabaisser les gens. Même si souvent tu invites des personnes et puis tu vois qu'ils sont en train de prendre des positions pour rabaisser des gens, humilier des gens, il faut leur dire que ton plateau là, ce n'est pas fait pour ça. Il faut leur dire que ton plateau là, ce n'est pas fait pour ça. Il faut leur dire que ton plateau là, ce n'est pas fait pour ça. Chaque fois, mets-toi dans la tête que les actes que tu poses aujourd'hui là, les retombées là, après c'est pour venir insulter la première dame, après c'est pour venir. Parce qu'après là, ils vont dire, tu es en train de te donner, tu te donnes des ailes dans le pays là, parce qu'à chaque fois tu dis qu'il y a des gens. Voilà. Voilà. En tout cas, je l'espère bien, grand frère Adam Sopit Traoré. J'espère qu'elle va se ressaisir et vraiment changer de, comment on appelle, de langage. J'espère qu'elle va se ressaisir et changer de langage. Ok. Donc, c'était mon direct de ce matin. Je vous remercie. Bonne journée à vous parce que je dois m'apprêter pour le boulot. Donc, je vous remercie. Bonne journée à vous. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.